Bonjour tout le monde, bonjour mes chers élèves, ravi de vous rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous voyez, on va entamer aujourd'hui l'activité lecture 3, repérer et classer des informations, page 52. Alors, Julie et je comprends. Le titre, quel est le titre de cet article? Le titre de cet article est le changement climatique, c'est quoi? Donc, elle a commencé par une question. Regardez les deux illustrations. Alors, la première image ou bien première illustration, on voit une terre qui sue. Elle a des sueurs. À cause de quoi? De la pollution, bien sûr. Et dans la deuxième illustration, on voit des inondations d'eau. Regardez tout cet espace, il est inondé, il est envahi par l'eau. Il y a beaucoup d'eau ici. C'est une inondation. Appelé aussi réchauffement global ou planétaire, c'est-à-dire dans toute la Terre, toute la planète, le changement climatique est un phénomène d'augmentation des températures moyennes des océans et de l'atmosphère au niveau planétaire. Au niveau planétaire, depuis une soixantaine d'années. Donc, c'est quoi un réchauffement climatique? Le réchauffement climatique est un phénomène d'augmentation des températures moyennes des océans et de l'atmosphère au niveau planétaire. Découverte de la problématique du changement climatique, c'est-à-dire qui est le problème du changement climatique. La Terre, depuis ses origines, a toujours connu des changements cycliques de climat. Donc ça, c'est un constat. Les périodes glaciaires alternant avec des périodes plus chaudes. Donc parfois, la Terre devient froide parce que la neige tombe, de la glace. Et puis parfois, des périodes plus chaudes. Il y a de la chaleur qui s'augmente. On sait que ces cycles durent à peu près 100 000 ans. Les cycles ou bien des périodes en alternative, parfois glaciaire et parfois plus chaude, dure à peu près 100 000 ans. Comment? En étudiant, comment savoir que ces périodes durent à peu près 100 000 ans? Comment? En étudiant des carottes de glace qui contiennent des gaz fournissant aux scientifiques des indications sur le climat de l'époque. Les carottes extraites à grande profondeur nous renseignent, nous donnent des informations, des renseignements, nous renseignent sur le climat d'il y a 800 000 ans, à peu près. Voilà. 800 000 ans. Mais alors, qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui cloche? On constate que l'augmentation de la température moyenne ne cesse de s'accélérer à des rythmes méconnus. La température ne s'arrête pas, ne cesse de s'accélérer. C'est-à-dire, chaque an, chaque année, il s'augmente, il s'accélère. La température moyenne. La multiplication des catastrophes naturelles provoquées par la météo, ouragans, inondations, sécheresses, etc., est une autre manifestation du changement climatique. Donc les ouragans, les inondations et les sécheresses sont les conséquences du changement climatique. Ce sont des conséquences, ce sont des résultats du changement climatique. Une autre manifestation du changement climatique, ça veut dire manifestation, ça veut dire conséquence.
L'élévation du niveau de la mer en conséquence de la fonte des glaces en est une autre. Donc l'élévation du niveau de la mer augmente, son niveau est augmenté à cause de la fonte des glaces. Donc les glaces deviennent liquides et le niveau de la mer s'augmente, l'élévation du niveau de la mer s'augmente. Vu que ces phénomènes n'ont jamais été observés auparavant, les scientifiques se sont alors, quoi? Se sont alors penchés sur l'activité humaine afin de trouver les causes de ce phénomène inédit. Donc, c'est la première fois que les scientifiques observent ces changements, l'élévation du niveau de la mer, et ainsi de suite. Donc, ils se sont penchés sur l'activité humaine. Ils vont voir si l'activité humaine est une cause principale de ce changement climatique. Donc, afin de trouver les causes de ce phénomène inédit. Phénomène inédit, ça veut dire changement climatique. L'activité humaine, en partie responsable du réchauffement climatique. Ça veut dire, l'activité humaine joue un rôle très important, en partie très important, qui cause ou bien qui est responsable du réchauffement climatique. Étant donné que le réchauffement climatique coïncide avec le développement industriel, donc ils ont remarqué quoi? Le développement industriel et le réchauffement climatique se fait en même temps, se coïncide, se fait en même temps avec le développement industriel. L'activité humaine a été rapidement pointée du doigt. Donc, les scientifiques disent que l'activité humaine, pointée du doigt, c'est-à-dire, ils indiquent que, voilà, pointée du doigt, ils indiquent que l'activité humaine est en partie responsable du réchauffement climatique, c'est-à-dire, est une cause principale du réchauffement climatique. Donc, elle a été rapidement pointée du doigt. Et notamment les gaz à effet de serre, dont le CO2 est le plus produit. Donc, les gaz à effet de serre produisent le CO2, gaz toxique. La communauté nationale a alors fondé le GIEC. Voilà, le GIEC est un organisme. Voilà, c'est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat dans le but d'étudier les informations d'ordre scientifique, technique et socio-économique. Étudier quoi? Voilà, dans le but d'étudier les informations. Le but, c'est quoi le but? Afin de mieux comprendre les risques liés au changement climatique d'origine humaine, cerner plus précisément les conséquences possibles de ce changement et envisager d'éventuelles stratégies d'intervention. Le réchauffement climatique, une matière complexe. Une matière complexe. Si la science a évolué à pas de géant, la météorologie reste un domaine éminemment complexe. S'il est fort probable que l'activité humaine soit responsable du réchauffement climatique, il est extrêmement ardu de définir avec précision l'impact de l'homme. Il se peut que le réchauffement climatique soit le fruit d'une augmentation cyclique de la température et de la pollution. Il se peut que le réchauffement climatique soit le fruit d'une augmentation cyclique de la température, et de la pollution provoquée ou bien provient de l'activité humaine. Et comme vous voyez la source, http://changementclimatique.fr, c'est un site internet.
OK? Maintenant, on passe aux questions. Regardez la première question. J'observe et j'indique. J'observe et j'indique. A. La nature des documents en cochant les bonnes réponses. Est-ce que les documents dans la page 52 est une image, une bande dessinée, une lettre conventionnelle, un article tiré d'un site web? Donc, on a dit que c'est un article tiré d'un site web. B. Le thème des documents est, est-ce qu'il parle, l'article parle de la violence à l'école? Non. Les problèmes de l'environnement? Les réseaux sociaux? Non. Donc, les problèmes de l'environnement, le changement climatique, ou bien le réchauffement global, réchauffement climatique, ce sont des problèmes de l'environnement. Je lis silencieusement l'article et je complète le tableau suivant. C'est la première fois que la Terre connaît un changement climatique? Non. C'est faux. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Justification, on va justifier à partir du texte. Alors, regardez ici, dans l'article. La Terre, depuis ses origines, a toujours connu, donc ce n'est pas la première fois, a toujours connu des changements climatiques du climat. Donc, on va écrire cela dans le tableau, dans la justification. Dans la justification. Alors ici, justifier. La Terre a toujours connu, des changements climatiques, des changements cycliques. Changement cyclique de climat. Alors, deux, en étudiant la météo, les scientifiques peuvent avoir des informations sur les changements climatiques depuis 800 000 ans. Est-ce qu'en étudiant la météo? Faux. C'est faux. Mais en étudiant quoi? Regardez ici. En étudiant les carottes de glace qui contiennent des gaz fournissant aux scientifiques des indications sur le climat de l'époque. Donc, les carottes extraites à grande profondeur nous renseignent sur le climat. Donc, en étudiant les carottes et non pas la météo. En étudiant ici, en étudiant des carottes, des carottes de glace qui contiennent des gaz fournissants qui contiennent des gaz fournissant aux scientifiques des indications sur le climat de l'époque sur le climat de l'époque. OK? Donc, troisième information. L'activité industrielle a accentué les changements climatiques. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Un instant, s'il vous plaît.
Donc, l'activité industrielle a accentué les changements climatiques, oui, c'est vrai. Justification, on va justifier à partir du texte. Regarde ici. Étant donné que le réchauffement climatique coïncide avec le développement industriel, l'activité humaine a été rapidement pointée du doigt, et notamment les gaz à effet de serre, dont le CO2 est le plus produit. Donc l'activité industrielle l'activité industrielle l'activité industrielle accentuer les changements accentués. Donc l'activité industrielle a accentué les changements climatiques, les changements climatiques. Changement climatique parce qu'elle, voilà les activités, parce qu'elles coïncident, parce qu'elles coïncident. Qu'elle coïncide ENT avec le réchauffement climatique, avec le réchauffement climatique, réchauffement climatique. Le GIEC est une organisation qui s'intéresse aux problèmes des pays pauvre, est-ce que c'est une organisation qui s'intéresse aux problèmes des pays pauvres? Faux. C'est faux. Il s'intéresse à quoi? Le GIEC, regarde ici. Le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, dans le but d'étudier les informations d'ordre scientifique, technique et socio-économique afin de mieux comprendre les risques liés au changement climatique d'origine humaine. Donc, il s'intéresse aux problèmes du changement climatique. Le GIEC est une organisation qui s'intéresse, excusez-moi, qui s'intéresse aux problèmes de l'environnement, du changement climatique, au problème de l'environnement ou bien du changement climatique. Alors maintenant, on passe à la troisième question. Je relis l'article et je complète le tableau suivant. Les changements climatiques. Les changements climatiques, c'est quoi? Alors, c'est quoi les changements climatiques? Les changements climatiques est un phénomène. C'est un phénomène, voilà, c'est ici, regardez, le changement climatique est un phénomène d'augmentation des températures moyennes des océans et de l'atmosphère au niveau planétaire. Donc, c'est quoi le changement climatique? C'est un phénomène
C'est un phénomène d'augmentation. Excuse-moi. C'est un phénomène d'augmentation. C'est un phénomène d'augmentation des températures. Des températures moyennes. Température moyenne. Température moyenne des océans. Des océans et de l'atmosphère. Et de l'atmosphère. Et de l'atmosphère. Et de l'atmosphère au niveau planétaire. Au niveau planétaire. Au niveau planétaire. Comment se manifeste-t-il? Donc, quelles sont les conséquences? Comment se manifeste-t-il? Les conséquences. Ça veut dire les conséquences. Les conséquences. Alors, regardez ici, on va voir les conséquences. La multiplication des catastrophes naturelles provoquées par la météo, ouragans, inondations, sécheresses, etc., est une autre manifestation du changement climatique. L'élévation du niveau de la mer en conséquence de la fonte des glaciers est en est une autre. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on voit? Les ouragans, inondations, sécheresses et l'élévation du niveau de la mer. Alors, il se manifeste. Il se manifeste par les ouragans, inondations, inondations, sécheresse, sécheresse et l'élévation et l'élévation du niveau de la mer, du niveau de la mer. Quels en sont les responsables? Alors, quels en sont les responsables? Les responsables sont les êtres humains. Les responsables sont les activités. Les activités humaines. Les activités humaines. Maintenant, on passe à la question de je m'entraîne. Rubrique je m'entraîne, question 1. Je relis l'article et j'associe chaque élément de la colonne B à celui qui lui correspond dans la colonne B. Donc, l'article, l'élément A, la colonne A avec la colonne B. L'activité humaine et les catastrophes naturelles, est-ce que c'est une définition, ou bien les causes, ou bien les manifestations? Le changement climatique est un phénomène naturel. Est-ce que c'est une définition, ou bien les causes, ou bien les manifestations? La montée du niveau de la mer et la fonte des glaciers, est-ce que c'est une définition, les causes, ou bien les manifestations? Alors, on commence par la définition. La définition, donc, on définit un thème, on définit un sujet. Le changement climatique est un phénomène naturel, donc c'est une définition. Voilà. L'activité humaine et les catastrophes naturelles.
Est-ce que c'est une manifestation, ça veut dire des conséquences ou bien des causes? Voilà, ce sont les causes du réchauffement climatique. Donc, l'activité humaine et les catastrophes naturelles sont les causes. Il nous reste la montée du niveau de la mer et la fonte des glaciers, ce sont des conséquences, ce sont des manifestations. Alors, êtes-vous d'accord avec le point de vue de l'auteur? Dites pourquoi. Oui, je suis d'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord. Tout à fait. Tout à fait d'accord avec l'auteur. Avec l'auteur. Pourquoi? Parce que les activités humaines, parce que les activités humaines, parce que les activités humaines jouent un rôle crucial, crucial. Un rôle important, un rôle crucial du réchauffement climatique, du réchauffement climatique. Je réinvestis. Maintenant, dans la rubrique Je réinvestis, je complète le texte suivant en plaçant convenablement les énoncés ci-dessous. Donc, je lis les énoncés. L'activité industrielle, l'élévation du niveau des océans et la fonte des glaciers, le changement climatique, la pollution sous toutes ses formes, l'augmentation de la chaleur normale de la Terre. Alors, le texte. Est un phénomène naturel, est un phénomène naturel que le globe terrestre connaît depuis des années. C'est quoi? Donc, c'est une définition. C'est, on commence par le C. Le C, le changement climatique. Le changement climatique. Le changement climatique est un phénomène naturel que le globe terrestre connaît depuis des années. Il se caractérise par quoi? Il se caractérise par, voilà, le E, l'augmentation de la chaleur normale de la Terre. Il se caractérise par l'augmentation de la chaleur normale de la Terre. Il se manifeste par l'élévation du niveau des océans et la fonte de glaciers. Le P. Il se manifeste par l'élévation du niveau des océans. Du niveau de l'océan et la fonte, ou bien des océans et la fonte des glaciers. La fonte des glaciers. Généralement, on accuse quoi? On accuse l'activité humaine, on accuse l'activité humaine d'être à l'origine de ce phénomène. Cependant, la cause principale du réchauffement climatique reste la pollution sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes.
Alors, on est arrivé à la fin de la vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.